Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elleakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Nous sommes déjà arrivés au mois d'août, c'est incroyable à quel point le temps passe vite, hein? Alors j'espère que votre mois d'août a bien commencé pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du Scorpion. Alors bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages ici sont des tirages d'ordre général, donc vous pouvez aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Parce que, bien sûr, ça ne peut pas toucher tous les scorpions, hein. C'est tout à fait normal, vous êtes des milliers à écouter les vidéos. Alors, impossible que tout le monde puisse vivre la même chose en même temps. Donc, prenez ce qui colle à vous, adaptez le tirage à votre vie présente et le reste sera pour quelqu'un d'autre, tout simplement. De là, l'importance de voir les vidéos sur votre signe ascendant et sur votre signe lunaire. Je rappelle également avec ma clé de la destinée que vous détenez le pouvoir complet sur votre vie et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, on commence pour vous, mes chers scorpions, les scorpions qui sont en couple. Je poursuivrai tout à l'heure avec le tirage pour les célibataires. Donc, d'abord, je vais vous donner les messages des anges de l'amour, hein. En fait, la première carte, c'est « Exprimer votre amour ». La deuxième, c'est « Réconciliation ». Et la troisième, c'est « Lune de miel ». Alors, j'ai l'impression que certains scorpions vont vraiment vivre des belles choses dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois. Par contre, pour le moment, j'ai l'impression que il y a une situation peut-être conflictuelle, il y a peut-être eu des mésententes, des disputes, quelque chose en rapport avec le fait que vous êtes obligé, hein, de passer par la réconciliation. Donc, ce qu'on vous dit ici, mes chers scorpions, et je sais que ce n'est pas toujours facile, mais on vous demande peut-être de piler un peu sur votre orgueil, hein. On sait que parfois on a notre fierté et on ne veut jamais avoir tort, mais ici on vous dit pilez sur votre orgueil et exprimez votre amour, faites le premier pas vers justement la réconciliation. Si vous êtes dans une situation conflictuelle avec votre partenaire, c'est le bon moment de faire le premier pas et d'exprimer l'amour que vous ressentez pour votre partenaire. Si vous restez distant, si vous restez fermé et si vous ne donnez pas de nouvelles ou que vous restez muet, hein, que vous ne, dépendamment si vous vivez ensemble ou pas, la personne peut commencer, votre partenaire peut commencer à se poser des questions sur l'amour que vous lui portez, d'accord? Alors ça peut effriter votre amour, ça peut vraiment altérer l'amour qu'il y a entre vous. Donc, faites le premier pas, n'hésitez pas. Si vous tenez à cette relation, si vous tenez à cette personne, pilez sur votre orgueil et exprimez votre amour. D'ailleurs, on voit que vous avez pris un moment de recul, hein? On a le 4 d'épée. Alors, normalement, si vous avez bien fait les choses, si vous avez bien réfléchi à la situation, il n'y a rien dans ce tirage, hein, qui me parle de la raison du conflit. Alors, c'est vous qui savez ce qui s'est passé entre vous. Donc, vous avez pris un moment de recul. Si vous avez bien fait les choses, si vous avez bien réfléchi, vous seriez en mesure actuellement de rétablir la situation. Et on vous demande ici, parce que vous avez le 4 d'épée, donc si vous avez encore besoin de temps pour réfléchir, pour guérir, vous pensez votre cœur des blessures, hein, que vous avez ressenties, bien faites-le. Mais une fois que ce sera fait, bien, lancez-vous, faites le premier pas et exprimez votre amour. Parce qu'on vient ici vous dire, mes chers scorpions, de choisir vos batailles, de choisir vos combats. Ce n'est pas tous les combats qui sont utiles à livrer. D'accord? Donc, choisissez vos combats. Si vous tenez à cette personne, tout simplement, dites votre vérité, parlez, communiquez avec votre partenaire et établissez les limites à respecter tout simplement. D'accord? C'est ce qu'on vient vous dire ici. Choisir vos combats et établissez vos limites. Et si vous travaillez bien en ce sens, hein, si vous prenez du recul, si vous réfléchissez bien, si vous passez, si vous pilez sur votre orgueil et si vous choisissez vos combats à l'avenir, bien vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts ici. Ce que l'on sème, on le récolte également. Si vous semez de bonnes graines, vous allez récolter de bons fruits. Si vous semez des graines médiocres, vous allez récolter des fruits médiocres également. Alors, essayez toujours de semer de bonnes graines. Ayez de bonnes semences en fait, hein, semez de bonnes graines pour récolter des meilleurs fruits possibles dans votre amour. Ici, le 7 de denier peut nous parler aussi de dans un moment d'attente. Hein, on le voit d'ailleurs avec le 4 d'épée. Hein, vous êtes en réflexion, vous prenez le temps de méditer, de vous rétablir d'une situation qui s'est passée. Et ça sera peut-être justement le bon moment de faire un bilan, de récapituler certaines choses, de parler, de communiquer avec votre partenaire et lui faire comprendre vos limites, hein, les limites à ne pas dépasser. D'accord? Mais on voit quand même que si vous décidez, bien sûr, hein, la clé de la destinée n'est pas là pour rien, si vous décidez de piler sur votre orgueil et d'exprimer votre amour, ça pourrait vraiment changer la dynamique et rétablir la relation. Et même, il y aura probablement quelque chose à fêter. D'accord? On a le 3 de coupe ici, on nous parle de festivité, d'une grande fête, c'est peut-être aussi un mariage, une union de fait ou un mariage, hein, mais il y a quelque chose ici à célébrer, peut-être une naissance aussi. Alors, les choix que l'on fait, sont vraiment d'une grande importance pour le rétablissement d'une relation. D'ailleurs, on parle de réconciliation ici pour vous. Donc, il y a eu un problème, il y a une réconciliation qui s'en vient pour vous. Et quand je vous parlais ici de festivité, j'ai le pape qui se présente aussi. Alors, non seulement d'établir vos limites, mais aussi peut-être de repenser vos valeurs ou bien de discuter de vos valeurs ensemble. Mais le pape vient aussi nous dire qu'il y aura probablement l'officialisation des vœux. Voyez-vous, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Alors, si votre souhait était de vous unir à cette personne, de vous marier, de vous unir par les liens du mariage ou bien une union de fait, ce vœu-là pourrait être réalisé, hein, officialisé ici. Le pape et le 9 de coupe, ça officialise votre relation. D'accord? Et c'est vraiment clair ce tirage en fait, hein, pour ceux que ça concerne, parce que vous allez fêter quelque chose de grand, une union, une officialisation d'union, hein, donc un vœu réalisé. Et en plus, vous avez la carte de la lune de miel. Alors, quoi de mieux pour vous dire que effectivement l'aboutissement de ce tirage pourrait justement vous mener à une lune de miel que vous allez partager ensemble. C'est vraiment un souffle nouveau pour votre relation avec le jugement qui apparaît ici, hein. C'est une renaissance, un nouveau souffle que vous allez donner à votre couple juste parce que vous aurez décidé de piler sur votre orgueil et d'exprimer votre amour, de faire le premier pas vers l'autre, d'accord? Alors, un souffle nouveau à votre relation, une renaissance et aussi la solidification de vos liens. L'empereur qui apparaît ici nous parle de stabilité, de confiance, et de solidification de liens en fait, hein? C'est vraiment la stabilité ici qui apparaît pour vous. Donc, l'empereur dans sa dans sa forme positive, en fait, hein. C'est vraiment le principe paternel. Il y a quelque chose qui va se solidifier, qui va se stabiliser entre vous deux. Alors voilà, mes chers amis, donc j'ai tiré aussi une carte d'éclaircissement avec l'oracle Lumière. Deux cartes sont tombées, hein, sont vraiment sautées du paquet. La première, c'est vraiment un beau tirage pour vous les couples, hein. Pour ceux qui sont en couple, vous avez la carte du soleil. Alors, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est l'harmonie, le bien-être, la santé au niveau de votre couple. Le fait de faire le travail nécessaire, hein, pour garder ce couple-là uni, mais c'est ce que ça vous apporte, le bonheur, l'harmonie. Et de toute façon, vous ne vous en sortirez pas. Il y a aussi la carte du mariage ou de l'union qui est venue ici. Donc, si vous vouliez passer à une prochaine étape dans votre relation, bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Suite à votre réconciliation, c'est l'officialisation des vœux de mariage ou d'union. Un nouveau souffle, une nouvelle vie qui commence pour vous, une lune de miel, une fête, une grande fête, une festivité, hein, célébrer quelque chose ici. Et probablement, peut-être pour certains d'entre vous, vous pourrez fêter la naissance d'un nouveau petit bébé. Mais en tout cas, il y aura une stabilité pour vous, mes chers scorpions, pour certains d'entre vous. Voilà, très très beau tirage pour vous. Alors, je retire les cartes pour les couples et je passe au tirage des célibataires. Alors, bien sûr que j'ai tiré les cartes déjà pour les célibataires pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes chers célibataires? Ok, ça commence avec une belle carte. Parfait, ok. Ok, je réfléchis un peu à ce que le message qu'on veut nous donner ici. Ok, parfait. Ok. Donc, pour vous, mes chers scorpions célibataires, on a les messages des anges de l'amour. Ça commence avec la carte espièglerie, suivie de la carte flirt et la carte cela vaut la peine d'attendre. Donc, ce que ça me dit pour moi, l'espièglerie, j'ai l'impression que certains d'entre vous, ça ne fait pas tellement longtemps que vous avez quitté une relation ou que vous avez... en tout cas, vous avez eu une rupture, hein, peut-être. Et on vient vous dire maintenant, profite de ta vie. Retrouve ton cœur d'enfant. Si tu veux retrouver un jour l'amour, permet à l'esprit espiègle et enfantin qui est en toi de se manifester. Alors, c'est ce que... c'est le premier message ici. Et ça, c'est une étape très importante. D'accord? Je vous montre la carte là, pour que vous la visualisiez. L'espièglerie. D'accord? Quand on sort d'une relation difficile ou d'une rupture, hein, ce qu'on a besoin, en fait, c'est de se reposer de cette relation, de se retrouver soi-même, seul avec soi-même, de se redécouvrir. Parce qu'au fil du temps, les gens changent, hein? Nous aussi on change, on évolue, on ne reste pas à la même place, on évolue dans notre mental, on évolue dans nos intérêts, on évolue dans toutes sortes, à toutes sortes de niveaux, d'accord? Alors, ce sont des changements majeurs parfois, difficiles, des étapes difficiles à traverser, parfois aussi, des moments où on ne se reconnaît plus nécessairement, que ce soit positif ou que ce soit négatif, hein, on ne se reconnaît plus, on n'est plus la même personne qu'on était il y a quelques années. Alors, on a un travail de connaissance de soi à faire. On doit se réapprivoiser soi-même, d'accord? Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de rester avec un cœur d'enfant, un cœur ouvert, un peu de légèreté aussi, d'accord? De vous amuser, de vous exprimer aussi à travers peut-être des activités qui vous plaisent. Hein? Donc, retrouvez simplement votre cœur d'enfant. D'ailleurs, on a la carte de la reine de bâton qui est apparue ici avec la carte espièglerie. Donc, justement, vous avez besoin de vous redécouvrir, de vous redéfinir, de vous exprimer en tant que personne. Hein? Vous êtes vraiment une personne incroyable. Vous êtes une personne très... comment je pourrais dire, passionné peut-être par certaines choses, peut-être que vous êtes passionné déjà, mais vous allez peut-être vous découvrir de nouvelles passions également. Vous êtes une personne aussi peut-être qui recherche de nouvelles aventures ici. Donc, on vous dit, laissez libre cours à cette expression de vous-même, d'accord? Si vous avez des intérêts pour des activités particulières, que ce soit au niveau du travail, que ce soit une activité créatrice, peu importe, hein, laissez émerger en vous cette nouvelle passion ou ces nouvelles passions et exprimez-les, exprimez-vous à travers ces passions ou ces activités créatrices, d'accord? Vous avez besoin de vous redécouvrir, de vous redéfinir aussi. Et on a la carte, encore une fois, comme avec les couples, la carte du 3 de coupe qui apparaît. Tout simplement ici, ça vient vous dire de vous amuser, d'accepter les invitations, les sorties, d'aller festoyer avec les amis, d'être dans un esprit de légèreté. Tout simplement de vivre votre vie au jour le jour, dans la joie, dans la légèreté tout simplement. Retrouvez votre cœur d'enfant, d'accord? La carte du flirt, j'ai été un peu étonnée quand j'ai retourné, pardon, quand j'ai retourné les cartes qui correspondaient à la carte du flirt. Parce que les cartes qui sont retournées, c'est la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Pardon, j'ai encore un petit chat dans la gorge. Alors, la carte de la mort ou l'arcane sans nom est la carte du 9 d'épée. Donc, la carte du flirt vous dit « Offrez votre énergie de légèreté aux autres ». Hein? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'espièglerie. Retrouvez votre cœur d'enfant. Vivez le moment présent, amusez-vous et partagez cette énergie de légèreté avec les autres qui vous entourent, d'accord? En faisant ça, vous allez peut-être attirer à vous des gens, des connaissances et si vous voulez... comment je pourrais dire? Si vous voulez faire des rencontres pour... connaître des gens pour éventuellement avoir une relation amoureuse, vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade. C'est-à-dire que vous êtes au stade de vivre votre vie, de profiter de votre vie et de faire des rencontres, qui sait où ça peut vous mener, d'accord? Mais vous avez d'abord, avant de vous engager dans une relation sérieuse, vous avez d'abord un travail de nettoyage, un travail un ménage à faire en vous. D'accord? Peut-être de guérir certaines blessures, hein, parce qu'on a le 9 d'épée. Vous avez probablement beaucoup souffert. Et pour éviter de revivre ces mêmes choses-là, le processus de guérison est très important quand on vit une rupture, d'accord? On doit laisser le temps au temps de faire son œuvre et s'il y a des choses à régler, vous devez les régler, vous devez nettoyer et éliminer les choses qui vous nuisent, les choses dans votre vie qui vous nuisent, d'accord? Ça me fait penser un peu à la carte du message des anges de l'amour qui vous dit de régler les problèmes familiaux, par exemple. Ce n'est pas nécessairement votre cas, c'est peut-être une étape qui a été faite, mais ça me fait penser à cette carte parce que tant et aussi longtemps que ces problèmes-là ne sont pas réglés, les problèmes de l'enfance, les blessures qui ne sont pas guéries, bien, on peut toujours avoir de la difficulté dans nos relations amoureuses. Ça nous suit partout et c'est difficile de créer une belle harmonie dans nos relations amoureuse si le ménage n'est pas fait. Alors la carte de la mort, hein, c'est vraiment ça. Ça vous dit d'éliminer de votre vie ce qui ne vous convient plus, ce qui est en train de pourrir, ce qui vous empêche de vivre des belles relations. Il y a un ménage à faire ici. Ce n'est pas nécessairement la mort physique, hein, la carte de la mort. C'est tout simplement, il y a un travail de transformation à faire avant de pouvoir penser commencer une relation sérieuse avec quelqu'un, parce que vous avez déjà beaucoup souffert, vous n'avez peut-être plus envie de souffrir autant, de souffrir de cette façon. Donc maintenant, il faut faire les choses de façon intelligente, pensez à vous, mais rien ne vous empêche de flirter et d'être dans une énergie de légèreté, tout simplement. D'accord? Vivez votre vie au moment présent. Ensuite, on a la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». Bien justement, hein, c'est ce qu'on vient vous dire ici avec le flirt et les cartes de l'arcane sans nom et le 9 d'épée. Vous avez un travail de nettoyage à faire, de guérison aussi, à faire de transformation avant de pouvoir penser à passer à une nouvelle relation plus sérieuse, et ça va valoir la peine d'attendre, parce que pendant que vous vous transformez, pendant que vous travaillez à votre guérison, bien, l'univers s'occupe de vous trouver la personne qui va vous convenir. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, pendant que vous passez votre temps à prendre soin de vous, à vous guérir, à vous transformer, bien, la personne qui va vous convenir va arriver au bon moment. D'accord? Donc, n'arrêtez pas de prendre soin de vous, de travailler sur vous et de guérir les blessures du passé, de vous transformer. Parce que divinement parlant, l'univers est en train de travailler pour vous trouver la bonne personne qui va venir combler votre vie. Et on le voit d'ailleurs avec le chevalier de coupe, hein? Alors c'est probablement un nouvel amour qui s'en vient pour vous. On ne sait pas quand encore. Ben, en fait, je le sais parce que j'ai une indication dans le tirage, mais c'est une probabilité. Mais le chevalier de coupe ici, hein, c'est quelqu'un vraiment qui est fiable, c'est quelqu'un qui va vous apporter un amour inconditionnel, qui va vous aimer pour qui vous êtes. Hein, voyez-vous ici, la reine de coupe. Si vous passez votre temps à exprimer la personne que vous êtes, vous allez manifester cette personne-là, et c'est ce que cette personne qui s'en vient dans votre vie va découvrir en vous et va apprécier de vous. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, faites les choses pour vous, recherchez des nouvelles aventures, des activités qui vous comblent, qui vous permettent de vous exprimer vraiment comme vous êtes réellement. Et cette personne-là, c'est ce qu'elle va apprécier de vous et va vous vouer un amour, un grand amour et un amour inconditionnel, d'accord? Alors, c'est un chevalier qui s'en vient pour vous quand le moment sera bon pour vous. Et cela vaut la peine d'attendre aussi, vous avez le 4 de coupe, alors rien ne sert de vous ennuyer. L'occasion s'en vient pour vous de rencontrer la bonne personne. Alors, je sais que parfois c'est difficile, on a envie d'avoir quelqu'un avec soi qui nous accompagne sur notre route, hein, sur notre chemin de vie, mais parfois ça vaut la peine d'attendre pour s'assurer d'avoir une bonne personne. Hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et parfois, on est mal accompagné et ça dure longtemps et c'est pénible. Donc, ça vaut la peine d'attendre la bonne personne qui s'en vient sur votre chemin et qui va partager votre vie avec vous. L'indication que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que j'ai pigé une carte avec l'Oracle Lumière qui vient éclairer un petit peu ce message. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette personne qui s'en vient, bien, ça, vous allez peut-être en faire la rencontre à l'hiver. Hein? Vous avez la carte hiver ici. Alors, j'ai l'impression que l'hiver prochain, vous allez faire la rencontre de ce beau chevalier ou de cette personne, en tout cas qu'il soit homme ou femme, qui s'en vient dans votre vie. Probablement, ça sera l'hiver prochain, et probablement aussi que vous allez avoir acquis une certaine sagesse, que vous allez avoir fait le travail nécessaire pour vous transformer, pour vous guérir, et vous allez faire les choses plus intelligemment maintenant. Vous allez probablement lui faire passer un examen à cette personne, et cet examen sera probablement réussi. Et c'est probablement comme ça que vous allez reconnaître que c'est la bonne personne pour vous, si la personne réussit votre examen, voyez-vous. Alors, la petite lumière ici qu'on voit, pour moi, ça m'indique qu'une vous aurez acquis une certaine sagesse, d'accord, une sagesse divine probablement. Alors voilà pour vous, mes chers scorpions, pour le mois d'août 2019. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des pistes de solutions, de réflexions. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir, ça m'encourage aussi à continuer ce travail-là pour vous. Et j'espère que ça peut aider plusieurs d'entre vous. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous désirez avoir un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer et la procédure et mes tarifs pour les tirages personnalisés. Mon courriel se trouve en barre d'infos. Alors voilà mes chers amis, je vous embrasse, je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.